Presque. Presque? Comment ça, presque? J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera le rappel en masse sans broncher. Et les cliniques? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum? On ne peut se le permettre. Le conseil scientifique américain se réunit dans 5 mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant publique cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans le biobus. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas à grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leur découverte. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour Picus. Sauf votre respect, j'ai absolument besoin de 2 détachements affectés à notre sécurité, sur le tarmac. Non, pas question de traverser le terminal. Trop exposé. Ouais. Merci de votre compréhension. Bonne nuit. Du con. Y a un problème? Non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr. Reed, vous allez le casser. Allez, Meg, c'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam, c'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne? Ils voudront savoir comment j'ai fait. Megan, départ pour Washington dans... Adam, vous tombez bien. Besoin de moi, patron? Oui, je vais revoir votre dispositif de sécurité pour Washington avant le départ. Votre équipe est prête, Megan? Presque, David. Nous revérifions les données. Alors faites vite. Si vous voulez épater tous ces bureaucrates de Washington, encore faut-il que vous soyez à Washington. Je déteste quand il est comme ça. Allez, viens. Je t'accompagne un peu. Adam, pense à David. Ne le faisons pas attendre. Attention, accès réservé au personnel autorisé. Quand tu parlais de tes recherches, t'avais l'air bizarre. Non, j'ai juste un peu le trac. Il y a quelque chose que tu veux me dire, sur cet endroit, sur Sarif? Megan? Excuse-moi. Il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à fréquenter. Eh bien, c'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de pédote qui dérègle le calibrage. Très juste. Je vais vérifier. Tu te poses encore des questions sur David? T'es ici depuis assez longtemps pour savoir... Eric, vous n'essayeriez pas de m'éviter par hasard? Je me permettrai pas, Dr. Reed. Mais je crois savoir ce qui fausse les résultats de Declan. Excès de peptides? Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre, nous obtiendrions une lecture plus fine. Les visiteurs votre doivent théorie. Toujours être. Je vais en parler à David. Et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino. Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Oh, merde! Fais gaffe, Eddie! Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolé. Néa, tu es bientôt prête? Pour Washington? Bah.
Ah, Docteur Reed, voici le général O'Neill. Le docteur Sevchenko me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon. Oui, grâce à Vassili d'ailleurs. Donc, mon général, le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des micro-charges ajustées pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz? Gérée par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Remarquable. Ce sera opérationnel quand? Désolé, je dois y aller. Mais Vassili connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision. Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Dr. Reed. Ouais. Ben voyons. Et toi, tu t'arrêtes où? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase? Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin. Comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais. J'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam. Il y a quelque chose que... Bonsoir. Richard. Alors, prête pour le grand voyage? Voilà Farida. J'aimerais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à l'hélistation, Adam. D'accord. Je vous ai interrompu, Jensen. Vous avez réparé le pare-feu? On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté? Oui. Vous voulez les détails? Ah, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-SWAT. Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté, Athènes. Il transmet des données à notre satellite spécialisé pour les remettre. Dépouillez ça, comme vous voulez. Mais je veux Yutaro à Washington, à côté de moi. Vous convoquez pas un type comme lui? C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, Lyle. La commission se passera d'autant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur. La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature, alors que tout ce que Megan a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Hugh Darrow a inventé. Défaillance environnementale. Sous-section 6 des laboratoires. Tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque. Surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code? Ouais, 0451. Tenez-moi informé. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce bazar. Tout de suite. Richard, où est Megan? Des nouvelles? Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance est dû toucher un équipement vital. Vous l'avez en visuel? J'essaie, mais les intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jensen. Vite! Richard? Richard! Thank you.
Avant de pouvoir agir dans votre environnement, vous devez apprendre à vous déplacer. Pour commencer, il est fondamental de savoir s'accroupir. Cela vous permet de vous faufiler dans des espaces exigus, comme les conduits de ventilation, ou d'avancer discrètement en se cachant derrière de petits obstacles. Lorsque vous sautez sur des objets ou des échelles, vous pouvez atteindre des endroits difficiles d'accès. Parfois, savoir monter ou descendre ne suffit pas. Il faut aussi savoir aller très vite. Vous ne pourrez pas sprinter plus de quelques secondes à chaque fois. Alors utilisez cette compétence à bon escient. Prendre certains objets de l'environnement et les déplacer. Utilisez-les pour dégager un passage vers des zones inaccessibles ou vous protéger lors des combats. Vous pouvez aussi les jeter sur vos ennemis en cas de besoin. Quand une fusillade démarre, il est préférable de vous mettre à couvert. Cela vous protégera des balles et des explosifs. Pour tirer, jetez un coup d'œil rapide depuis votre abri, sur le côté ou par-dessus. Ensuite, visez et tirez. Dès que possible, essayez de vous déplacer à couvert. Le champ de vision est important, et si vous restez à couvert, vous aurez de meilleures chances de ne pas vous faire repérer.
passé. Peut-être par là. Rien ici.
favoriser la formation d'un gros hématome. Il faut suturer cette artère. La vache, j'ai jamais vu un verre aussi épais. Ici David, vous êtes arrivé ? Ouais, je suis dans l'entrée. Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'Heli Station. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Frank est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite, des vies sont en jeu. Roger, vous êtes attendu en salle de conférence 7. Salle de conférence 7. Je sais, mais... Vous êtes remarquablement bien les augmentations. Ça ne veut pas dire que mentalement aussi. Et nous savons tous ce qui s'est passé quand il est tout. Ah, ça fait plaisir de vous voir reprendre du service. Et si vite en plus. J'imagine que vous vous occupez de l'intrusion de l'usine.
pas le choix. Regarde ce qui se passe à l'usine aujourd'hui. Bien sûr, mais il n'y a pas que l'isolement. Il y a aussi l'absence d'un chef. Megan savait motiver l'équipe. Elle était toujours de bons conseils. Moi aussi, Megan me manque, Heather. C'est pour ça que je tiens tant à vous. Adam, ici David. Vous êtes arrivé ? Ouais, je suis dans l'entrée. Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'Heli Station. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Frank est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. C'est vous, Monsieur Jensen ? Il paraît que vous allez revenir bientôt. Je suis une nouvelle recrue. Un remplaçant, si on veut. Fièrement installée ici, au cœur de Détroit, la société Sarif Industries est spécialisée dans la conception et la production d'augmentations mécaniques de pointe pour l'implantation humaine. Autrement dit, nous aidons les gens à accomplir leurs rêves en leur permettant de développer leur plein potentiel. Fort de 1500 employés, nous nous efforçons d'innover tout en maintenant notre réputation d'excellence. Parmi les nouveaux produits lancés en 2027, vous trouverez le booster Cortical Smart, équipé de la puce de polyvalence, réglé spécialement pour donner un avantage en mathématiques, en lecture, en sciences et en technologie. Nous sommes aussi fiers de présenter Vista Life, James Osterberg, la plus évoluée du monde. Au centre principal chez Sarif Industries, James Osterberg, au centre principal de test. Je vais vous passer sa boîte vocale. Merci de patienter. J'ai pas trop quoi penser de ce mémorial. Comment ça ? C'est le fils de ces chercheurs pour l'entreprise. Pour le monde même. Justement, c'est cette histoire de souvenirs qui me dérange. Je vois un psy depuis des mois. Mon Dieu, Monsieur Jensen ? Je ne croyais pas que... Je suppose que vous venez pour le cambriolage. Vous voulez que je vous indique le chemin ? Je suis pas parti depuis si longtemps, Cindy. J'ai peut-être l'air différent, mais ma mémoire est bonne. Je ne voulais pas dire ça. Bien sûr que votre mémoire est excellente, monsieur. C'est juste que tout a été chamboulé ici. Depuis la première attaque ? Exactement. Les labos ont été plus ou moins détruits. Nous les reconstruisons, mais la plupart de nos chercheurs ont été transférés ailleurs. Et tout le monde a changé de place, alors si vous cherchez quelqu'un... Où est le labo technique ? Ce n'est pas vraiment un labo, monsieur. Plutôt un bureau plein à craquer d'équipements informatiques. Monsieur Pritchard s'en plaint tout le temps. Bon, alors tournez à droite en haut de l'escalier derrière moi. C'est presque au fond du couloir. Où est le labo technique ? Ce n'est pas vraiment un labo, monsieur. Plutôt un bureau plein à craquer d'équipements informatiques. Monsieur Pritchard s'en plaint tout le temps. Bon, alors tournez à droite en haut de l'escalier derrière moi. C'est presque au fond du couloir. Vous dites que tout le monde a changé de place ? Presque tout le monde. Vous cherchez quelqu'un ? Merci. À votre service. Autre chose, monsieur ?
je vais me débrouiller. Comme vous voulez. Ça fait plaisir de vous revoir, monsieur. Denzel Mitchell, vous avez un appel ligne 1. Denzel, ligne 1. Je sais, mais... C'est pas un peu tôt pour envoyer Jensen au fond. Mais pourquoi David retarde l'intervention du SWAT? J'espère que ça finira bien. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici? Moi aussi, je suis content de vous voir, Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment, vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini? Parce que ça arrive maintenant à l'hélistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Peut-être que cette fois, vous sauverez quelqu'un. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Tiens au courant. Madame, vous êtes encore loin de l'hélistation? J'y suis presque. Parce que l'interprète serait catastrophique en termes d'image. Retrouvez-moi dans l'hélico. Je vous ferai un point sur la situation. Entreprise spécialisée dans les biotechnologies. La première avec... Contente de te revoir, Jensen. J'aurais jamais cru que ça arriverait si vite. Tu sais ce que c'est, Malik? L'appel du devoir. Ouais, comme tu dis. J'étais à mi-chemin du sommet du Renaissance Center quand j'ai reçu l'appel d'urgence. Mais toi, 6 mois, ça fait pas beaucoup pour revenir d'entre les morts. T'es sûr que t'es prêt? Y'a qu'un moyen de le savoir. Comme tu dis. Le patron est déjà à bord. Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police. Ils ont cerné l'usine, mais Monsieur Sarif veut que tu entres le premier. T'es prêt? Parce que plus vite on décolle, plus vite on pourra régler ce problème. Je suis prêt. Parfait. Alors on décolle. J'ai dit à Farida d'atterrir sur un toit. Je ne veux pas que le public vous voie entrer. Très bien. Mais je veux qu'elle reparte avec vous aussitôt. Alors à quoi je dois m'attendre? Qui sont ces types? Des puristes pro-humanité. Enfin, c'est ainsi qu'ils se présentent. Les mêmes qui font sauter des cliniques en plib dans tout le pays. Vous y croyez? C'est pas une coïncidence. Ils attaquent aujourd'hui au moment précis où le Typhoon arrive sur le site pour passer sur la chaîne de montage. Le Typhoon? L'équipe de Megan le testait le jour où ce salaud... Qui commande tous ces gars? Adam, je sais que Megan et vous aviez... Qui commande tous ces gars? Un certain Sanders. C'est lui, là. Il n'a aucune augmentation, Adam. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais il savait par où entrer dans notre usine. D'accord. Vous voulez que je m'y prenne comment? La priorité absolue est le Typhoon. Je retiens le SWAT tant que le Typhoon n'est pas sécurisé. Pour ce qui est de l'approche,
Que proposez-vous? Mortelle ou incapacitante? Je prends pas le moindre risque. Mortel, donc. Mais souvenez-vous, ils ont des otages. Et je ne voudrais pas que nos employés soient pris entre deux feux. Vous vous souvenez de la disposition des lieux? Beaucoup de couloirs étroits et clos. Mais des labos plutôt ouverts. Des plafonds hauts. Alors, vous voulez une arme de tir à distance ou de combat rapproché? Je pense qu'il vaut mieux se rapprocher de l'ennemi. Comme ça, je serai sûr qu'ils ne se relèveront pas. Entendu. Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage. Mais Pritchard vous en dira plus. Je l'ai chargé de rester en contact avec vous. Merveilleux. Autre chose? Voyez si vous pouvez trouver les otages. Libérez-les si possible. Mais le Typhoon est la priorité absolue. Nous l'avons développé pour des agences fédérales. Alors il doit rester intact et secret. Je suis sûr que vous vous en tirerez très bien. De la partie, vous pouvez ouvrir le menu de jeu. L'inventaire contient tous les objets que vous transportez. Sa capacité est limitée, mais peut être accrue avec des augmentations. Dans votre inventaire, vous pouvez déplacer les objets, les examiner et les combiner avec des améliorations. Dans le feu de l'action, vous pouvez utiliser l'inventaire rapide. Il vous permet de prendre une arme rapidement, de changer de type de grenade ou d'utiliser un objet. Appuyez sur la touche du clavier associée à l'emplacement dans lequel se trouve l'objet voulu. Vous pouvez modifier le contenu d'un emplacement comme vous le souhaitez en accédant à l'inventaire. L'écran des objectifs vous fournit des détails sur vos missions et objectifs en cours. L'écran de journal recense l'ensemble des emails et documents que vous avez lus pendant votre aventure. La carte est un outil pratique, vous permettant de vous situer par rapport à vos objectifs. Elle indique aussi les lieux utiles, comme les marchands et les cliniques en plib. Les arbres d'augmentation vous permettent d'améliorer vos augmentations avec vos points d'expérience. Il vous suffit pour cela de sélectionner une augmentation et de choisir l'amélioration à acheter. Cette opération peut être effectuée à tout moment.
Jensen, c'est moi, Richard. Où êtes-vous? Sur un toit qui domine l'usine. Bien. Votre point d'infiltration est sûrement le... C'est moi, Richard. Où êtes-vous? Sur un toit qui domine l'usine. Bien. Votre point d'infiltration est sûrement le service manutention. Sûrement, Francis? Ça veut dire? C'est une entrée pour les employés. Sans doute bien gardée par les puristes. Alors, si vous voulez éviter l'assaut frontal, je crois que vous pourriez passer par le toit du bâtiment. D'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Finissons-en! Tu vas crever!
passer. Je le vois pas. Mieux vaut chercher partout. Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris.
Je sais. Tu sais où trouver, enfoiré. C'est ça, c'est fais toi. Tes prières. Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Je te tiens. Essaie de m'avoir. Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris.
s'asseoir. Essaie de m'avoir. Prends ça. Fais tes prières. Ne fonctionne pas. Quelqu'un a modifié les protocoles. Quoi? Vous n'avez pas colmaté là? J'y travaille. Mais tant que je n'ai pas identifié cette faille, vous devrez pirater la porte manuellement. Terminé. Thank you.
Accès autorisé. Thank you.
tu l'as tué, mec ! Il l'a bien cherché. Il fallait pas me traiter de fanatique. Non, merde, non ! Tirez, enfoiré! Tu vas crever!
bonsoir. Tu peux plus te cacher. Allez, prends ta tronche. Je savais qu'il y avait quelqu'un.
sale enfoiré! Accès autorisé.
Pour débloquer de nouvelles capacités ou augmentations, vous devez d'abord gagner de l'expérience sous forme de points. Vous recevrez ces points en remplissant les objectifs principaux, les quêtes secondaires, ou via des bonus spéciaux, comme terminer une mission sans vous faire repérer. Une fois que vous avez accumulé assez de points d'expérience, vous recevez un point de dynamisation. Ces points sont utilisés pour débloquer des améliorations pour des augmentations existantes et pour débloquer de toutes nouvelles augmentations. Les kits de dynamisation que vous pouvez trouver en explorant l'environnement ou acheter dans les cliniques Amplib vous fourniront également des points de dynamisation. Pour débloquer une augmentation ou une amélioration, choisissez-la sur l'écran des augmentations, vérifiez son prix, et si vous avez assez de points de dynamisation, activez-la. Certains obstacles, comme les tourelles, les caméras et les robots, peuvent être contournés par le piratage. Il vous suffit de trouver un relais de sécurité contrôlant ces obstacles et de le pirater. Les programmes capturés et fortifiés sont vos principaux outils de piratage. Vous pouvez améliorer leur niveau avec l'augmentation de piratage. Le niveau des nœuds influe sur la vitesse à laquelle le réseau peut les traiter. En conséquence, les nœuds de niveau élevé le ralentissent. Vous pouvez ralentir encore plus le réseau en fortifiant les nœuds pour augmenter leur niveau. Vous pouvez aussi utiliser un verre ralentisseur pour arrêter complètement le processus de traçage pendant quelques secondes. Enfin, pour éviter de vous faire repérer quand vous prenez un nœud, vous pouvez utiliser le virus atomisé qui a 0% de chance d'être détecté. Les programmes atomisés et arrêtés sont des virus. Leur nombre est limité, alors utilisez-les à bon escient. Le compteur en haut à droite de l'écran vous permet de savoir combien il vous en reste. Lors d'un piratage, il y a trois types de nœuds à capturer. Les répertoires contiennent des données insignifiantes. Ils ne vous servent qu'à progresser vers votre destination. Les interfaces de programmation sont des fonctions système utilisables contre le réseau. Ils peuvent le ralentir en le spammant ou réduire le niveau des nœuds pour les rendre plus faciles à capturer. Les banques de données contiennent des informations précieuses pouvant vous rapporter de l'argent, des programmes ou même des points d'expérience. Les récompenses que vous découvrez sur le système ne sont à vous que si vous parvenez à pirater le dit système. Autrement, elles ne sont pas téléchargeables. Hormis les caméras et les portes, vous ne pourrez pas désactiver de système de sécurité avant d'obtenir l'amélioration d'augmentation adéquate. Thank you.
Accès refusé.